défendrice de la communauté LGBT, mais je me sens forcée d'intervenir suite à certaines choses qui se sont dites. Je veux juste réitérer, en fait, il n'y a pas de lien hein, entre la reconnaissance des droits LGBT et le dissolving, la dissolution de la famille. Il n'y en a pas, il n'y a pas de lien à faire et il ne faut pas en faire non plus. C'est vrai que le gouvernement a facilité le changement de sexe chez les jeunes à partir de 14 ans, mais c'est pas comme je me lève demain matin, je dis je veux changer de sexe, le gouvernement dit vas-y. Donc, il faut pas donner cette idée-là parce que c'est pas vrai. On parle d'un micro-phénomène, c'est vraiment un micro-phénomène et c'est très difficile. C'est pas des décisions qui sont prises à la déjà. Donc on faisait pas une décision, je crois qu'on peut vraisemblablement comparer avec le droit de vote. Différents et quand on les met un à côté de l'autre, je sais que c'est pas votre intention, mais ça m'apparaît un peu comme de la désinformation. Je veux pas que les gens sortent d'ici avec l'idée que c'est vrai, si je peux voter à 18 ans, comment ça qu'il faut qu'à 14 ans je peux changer de sexe? C'est vraiment deux affaires qu'on peut pas vraiment mettre un à côté de l'autre, c'est des choses qui sont très différentes. C'était juste une parenthèse. Je dirais un petit